Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir ici, ça fait plaisir de revenir à Rennes de temps en temps. Donc on va parler, comme disait Nicolas, de Docker et Windows, choses qui peuvent paraître a priori un petit peu paradoxalement opposées, et pourtant on peut en faire quelque chose. Donc ce paradoxe, il est surtout basé sur le fait que Docker a été initialisé comme une solution de simplification de l'utilisation des control groups et des namespaces, qui sont deux technologies fortement liées à Linux, qui font partie du noyau Linux. Donc, difficulté déjà, ce genre de choses-là n'existe pas dans le noyau Windows, il ne faut pas se baser directement dessus. Ça veut dire que pour supporter du Docker dans Windows, il va falloir descendre vraiment très bas et faire des réécritures dans le noyau. C'est certainement pour ça que ça a mis autant de temps d'ailleurs à arriver dans Windows de manière native. En attendant, parce qu'il y a toujours des possibilités de contourner, il y a eu pendant quelques années quelque chose qui s'appelait Boot to Docker, qui a été renommé ensuite en Docker Toolbox, mais qui était une approche quick and dirty, qui consistait à mettre une machine virtuelle avec une ISO, avec un petit OS réduit, avec un Docker, et puis à cacher ça de façon à ce que le SSH appelle directement les commandes sur cette machine virtuelle et qu'on ait l'impression qu'on soit juste dans un shell sous Windows. En pratique, derrière, c'était évidemment une machine Windows qui fonctionnait, y compris le client. Le client Docker était un client Linux. Le démon était un démon Linux. Tout ça s'était mis dans une machine virtuelle et puis roule. Un autre paradoxe aussi, c'est que jusqu'à maintenant, Microsoft était quand même vachement habitué aux technologies propriétaires et avait une façon de faire qui était plutôt de reprendre le principe des technologies, de faire quelque chose qui ne soit pas compatible, et puis faire à sa sauce à lui. Il se trouve que, alors il y a eu deux choses qui peuvent amener à un changement là-dessus. Il y a eu un changement de direction au sein de Microsoft. Il y a eu aussi la reconnaissance dans l'industrie que des normes, c'était pas mal. Et Microsoft commence de fait à se plier à des normes. Ça a commencé avec CMIS qui est supporté par SharePoint, alors que bon, ils ont renaclé longtemps, ils ont traîné des pieds, mais ça y est, ça rentre. Et puis là, il se trouve que pour Docker, il y a l'Open Container Alliance qui a sorti des normes pour l'API et des normes pour le contenu des images. Et Microsoft, ce coup-ci, a fait l'effort de se plier aux normes et puis de rentrer dans le système de quelque chose de normalisé. Aussi, oui, ben c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on le voit, quoi. Mais bon, le message subliminal, c'est que j'aimerais bien qu'il y en ait plein d'autres, quoi. Hein? Moi, je suis adepte de l'urbanisation et de l'alignement business IT, donc tout ce qui va permettre de normaliser les messages, les processus, etc., sera le bienvenu. Bon, après, c'est des questions plus de politique et de finance qui dirigent ce genre de choses-là, mais bon. Toujours est-il que sur Docker, on a désormais un moteur Docker qui fonctionne sous Windows et qui respecte pleinement la norme. C'est-à-dire que contrairement à, je reprenais tiens, l'exemple de CMIS, SharePoint supporte CMIS, mais pas en version 1.1. Donc juste en version 1.0, et l'apport principal de la 1.1 qui était les métadonnées, eh ben, c'est toujours des API propriétaires de SharePoint. Donc il faut faire des couches de médiation, un tas de bazar, etc. C'est pas encore normalisé. Là, la bonne nouvelle, c'est que bon, les conteneurs Windows, moi je les mets pas encore en prod hein, dans ma boîte. On est vraiment au balbutiement du truc. C'est juste, ça a été testé pour mon bouquin. J'ai fait fonctionner deux trois petits trucs de base, ça marche. Par contre, tout ce que j'ai vu, ça marchait bien à la norme. C'est-à-dire que je passe d'un client, que je pars d'un client Windows ou d'un client Linux, de l'autre côté c'était un démon qui était sur Windows. Il n'y a pas eu de problème. Je suis pas tombé sur des cas où la norme elle n'avait pas été respectée, l'instruction elle était pas tout à fait pareille, ou l'option ne se comportait pas pareil. Tout ce que j'ai vu vraiment, c'est kiff kiff. Alors, sur quoi c'est basé ça? Sur des trucs dont a priori personne n'a entendu parler. Parce que même sur le magazine MSDN, là, ils sont sentis obligés de se fendre d'un article pour expliquer sur quoi ça se basait. Et en gros, ben, les trois personnes visiblement qui comprenaient ce qui se passait sur ça à Microsoft, c'était Russinovich, Taylor Brown et puis un autre qui était niveau architecte. C'est ces trois gars-là qui ont réussi à dénicher parmi Microsoft Research ou dans des vieilles technos qui avaient été embarquées dans le noyau Windows, puis abandonnées ou jamais valorisées,
deux, trois petites technologies qui leur ont permis de faire le boulot. Alors au début, l'idée était de baser l'implémentation des conteneurs sous Windows sur la technologie qui s'appelle Drawbridge. Drawbridge, c'est de l'isolation de processus qui a été fait spécifiquement pour Azure. Donc bon, le but d'un cloud étant de scaler au maximum, l'idée était surtout pas d'avoir des machines virtuelles très complexes qui font de la redondance de ressources. Donc Drawbridge, c'était quelque chose qui venait donner une couche d'isolation sur les processus tout en étant sur le même système de virtualisation pour gagner de la place. Ça paraissait donc un assez bon candidat, mais finalement ça a été abandonné au profit de deux technologies qui sont plus anciennes. Alors c'est ça qui est marrant, c'est les technos Windows Job Object et Server Silos. C'est des technos qui datent, enfin, plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 8 ans la première, et puis 10 à 12 ans la deuxième, quoi. C'est des très vieux trucs. Donc comme les cgroups et les namespaces dans Docker, hein, ça date de Mathusalem. Il se trouve juste qu'il y a eu des surcouches LXC et Docker et libcontainer qui ont fait que maintenant c'est des trucs faciles. Enfin, facile. Oui, faciles à utiliser. Et ben sous Windows, c'est la même chose. Les technologies sous-jacentes de regroupement de ressources et puis d'isolation des ressources typées Windows, elles existaient déjà. Donc Windows Server Silos, par exemple, c'est une technologie qui vous permet de faire de l'isolation de registres Windows, y compris des parties de registres. On peut faire aussi de l'isolation de file system. Donc on revient un petit peu à la même idée que les namespaces sous Docker, où vous allez pouvoir simuler dans deux namespaces séparés une même partie d'un file system, par exemple, ou une même partie de ressources de type réseau, ou ce genre de choses-là. Donc bah, je vous renvoie pour tous les détails là-dessus, hein, parce que moi-même j'ai aucune idée de comment ça pète en dessous. Et sinon un autre point qui est intéressant quand même, par rapport au paradoxe que je citais avant, c'est qu'il y a eu une réelle collaboration entre Docker et Microsoft sur la mise au point de Docker pour Windows. C'est pas Microsoft qui a dit bon bah, on va créer une implémentation propriétaire de la norme de l'API pardon, normée. On va aller vraiment jusqu'à collaborer, inclure du code source dans Go, faire des commits dans Docker slash Docker. Il y a des choses qui ont été faites en collaboration. On peut le retrouver, hein, vous retrouverez des commits. Là, si vous allez sur Docker Docker, il y a des commits d'ailleurs où c'est marqué clairement « To update for Windows containers ». Donc si vous faites des recherches sur Windows containers, vous trouverez les différents commits qui ont été faits dans Go pour ça. Et puis bien sûr, il y a eu aussi une implémentation qui a été faite nativement pour Windows Server. Donc ça, c'est un truc important. Il y a deux implémentations de Docker. Bah oui, ils font jamais les choses simples. Mais pour une fois, c'est pas si con que ça. Parce qu'en fait, ça s'aligne finalement bien sur les deux éditions de Docker. Vous savez, Docker, vous avez une community edition qui est très bien pour se faire la main, pour tous les hobbyistes, pour les gens qui sont en pur développement. Et puis vous avez une Enterprise Edition qui porte du support, qui est payante, sur lequel il y a plus de garanties de la part de Docker. Ça map finalement bien les deux grosses lignes de Windows, quoi. C'est-à-dire que Windows 10, c'est un truc client, c'est pour les développeurs, c'est pas, vous n'allez pas faire de la prod dessus, vous n'allez pas faire de la montée en charge, vous n'allez pas faire de la redondance ou quoi que ce soit. Bah, c'est bien mappé avec le support de Community Edition. Et ben, il se trouve que le Docker for Windows, c'est une installation qui implémente le Docker Community Edition et qui pour le coup va même être hybride, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des conteneurs Windows mais vous pouvez aussi faire comme avant, c'est-à-dire que vous pouvez jouer des conteneurs Linux sur votre Windows 10. Même techno, hein, c'est-à-dire c'est juste une machine Hyper-V qui est cachée derrière un truc. Alors ça a été un petit peu mieux caché ce coup-ci, ils ont mis de la peinture sur les trucs, c'est assez beau, c'est léché, je vous le ferai voir éventuellement tout à l'heure si on a le temps de rentrer dans une petite démo. Démo qui n'ira pas jusqu'au bout, parce que j'ai pas le temps de préparer, je suis désolé. Et bah c'est Nico aussi, hein. Il me prévient, c'était quand? C'était au moins jeudi dernier. Ouais, c'est ça, fin de semaine dernière, hein, j'allais dire. Est-ce que tu peux venir faire une conférence? Mais bien sûr, Nico, moi je fais la bêtise de dire oui dès le début. Bon, ok, bah vendredi, mercredi. Alors. Là? Oui, oui, là. Bon. Ah oui. Donc. Je disais un petit peu plus de peinture quand même, hein, c'est-à-dire que c'est un Hyper-V qui masque un petit peu mieux ce qu'il y a derrière. C'est pas un ISO boot to Docker qui fait plusieurs centaines de mégas. Là, ça a été une version un petit peu stripped down, c'est une mobile Linux qu'il y a derrière. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est l'approche. Du côté Windows 10, on est pour des développeurs, on est plus pour de la démo, du développement, etc. On a plus intérêt à supporter quelque chose de très large.
Et ensuite, de toute façon, en production, on fera les choses bien. C'est-à-dire qu'en production, on ne va pas s'amuser à faire tourner du conteneur Linux sur un Windows Server. Quoi. Ça n'a aucun sens. Toute l'idée en fait, de Docker, c'était de garder le maximum de ressources partagées au niveau du noyau, tout en garantissant l'isolation, plutôt que de faire en fait, des grosses VM où on reproduisait tout le noyau. Alors déjà, c'était très con quand on faisait des VM en disant « il y a un Linux, il y a un, je sais pas moi, un CentOS 7 en dessous, et on fait une VM où il y a du CentOS 7, et on en fait 4, donc là c'est quand même un sacré gâchis. Bah, ça serait con de le faire maintenant en disant « on fait un gros noyau Windows, et puis dessus, on fait des machines, mais comme c'est des conteneurs Linux, il faut quand même refoutre un OS Linux par-dessus, ça serait du gâchis. » Donc en prod, ça sera complètement différent. En prod, on va faire des architectures hybrides, où on va avoir du Windows d'un côté et du Linux de l'autre, mais évidemment, il y aura un ensemble de démons Windows, un ensemble de démons de type Linux, et on va se servir de Swarm pour faire de l'hybridation. Dans Swarm, on a des systèmes d'affinité par label qui vont nous permettre, vous savez, typiquement on sert de ça pour mapper avec un couplage LASH des images sur les bons serveurs. Par exemple, vous avez une image de base de données, elle a besoin de fort IO, donc vous allez plutôt faire une contrainte en disant je dépose un label High IOPS, et je vais le mettre en correspondance en disant que ça serait quand même bien que ça soit de préférence sur un démon qui tourne avec un SSD. Donc toute l'idée derrière, c'est d'être dans une approche un petit peu entre les deux, en disant, il faut surtout pas qu'on retombe dans un mode où on dit on a un swarm avec trois machines, et sur celle-là je mets tel conteneur en dur, et celle-là je mets tel conteneur en dur, et tel conteneur en dur, parce que du coup on perd toute l'élasticité. Quoi. Ça veut dire qu'il y a une machine qui tombe, l'appli elle est finie. Tout l'intérêt de swarm, c'est de faire apparaître ces trois machines comme une seule grosse machine, qui a de la redondance, parce que si on en perd une machine virtuelle, bah les deux autres, l'orchestrateur va se démerder pour recaler tous les conteneurs dessus, ça sera peut-être un peu plus lent, mais au moins ça tiendra. Ça c'est intéressant, il faudrait surtout pas le perdre. Mais, à l'inverse, ça serait quand même un petit peu dommage, à un moment donné, si on a trois machines qui sont pas de la même puissance, deux avec des disques durs spin, et puis un avec un SSD, de pas mettre la base de données sur le SSD. Quoi. Donc Swarm permet de faire ça. Avec des préférences, donc on met des labels sur les images, on met des labels sur les démons des différentes machines, on dit cette machine-là, elle est plutôt taguée avec des hautes capacités d'entrée et sortie, ce conteneur-là, il se trouve que lui, de préférence, il va sur de la haute entrée et sortie, et puis Swarm va faire le nécessaire, quand il va faire son orchestration, il va s'arranger en fait pour que la base de données soit sur la machine qui va bien. Et puis, derrière, il va tout gérer, c'est-à-dire que si vraiment c'est pas possible, parce qu'il y en a trop qui luttent pour cette machine avec d'autres critères qui sont en priorité plus fortes, bah, il va les mettre dessus, il va mettre la base à côté. Si la machine elle tombe, bah, de toute façon, on sera bien obligé de foutre le conteneur à un autre endroit, mais il va se débrouiller pour faire ça. On peut tout à fait faire la même chose là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche de faire un swarm qui soit hybride, avec des machines Windows, des machines Linux, et du coup, on va mettre des tags Windows et Linux, ce coup-ci sous forme de contrainte, pas sous forme de préférence, en disant cette image-là, c'est une image Windows, nano serveur, donc c'est pas la peine d'essayer de la faire tourner sur un démon Linux, ça marchera pas. Et c'est le Swarm qui va orchestrer tout ça. Mais, à nouveau, dans un seul Swarm, c'est ça qui est vachement intéressant. Dans Windows Server 2016, il y a encore un autre petit. Alors là, pour le coup, c'est une implémentation vraiment native de l'API. Et des images, hein, parce que les deux sont normalisés par l'OAI. C'est des vrais conteneurs Windows, et c'est du conteneur Windows uniquement, on ne peut pas faire fonctionner du Linux là-dedans. Il y a une inclusion qui est beaucoup plus forte dans la technologie d'hyperviseur de Microsoft, et en particulier, il y a un truc qui est pas mal, qu'ils ont rajouté, hein, qui n'existe pas dans Docker, et qu'ils ont mis en place eux, c'est un niveau d'isolation complémentaire des conteneurs. Donc les conteneurs, hein, traditionnellement, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est un niveau d'isolation qui permet de ne pas retomber dans la machine virtuelle. Donc avant, la machine virtuelle, c'est, on refait tout, quoi. C'est tout, l'OS, les interfaces, les USB, les machins, tout ça c'est virtualisé, c'est comme une vraie machine, et puis on pose dessus, ça coûtait trop cher. On va faire de la compartimentation avec Docker, là, au niveau de l'OS. C'est l'OS qui se charge de dire, tu vas voir une partie du file system et tu vas avoir l'impression que c'est un file system complet, tu vas voir une partie du réseau et tu auras l'impression que c'est une partie du réseau complet. Mais du coup, tout repose quand même sur la capacité
qui est très bonne, hein, ça, y a pas de problème, hein, des cgroups et des namespaces, de bien gérer les quotas, l'isolation et tout le bazar. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de grosse alerte là-dessus. Mais c'est un petit peu comme les hyperviseurs. Les hyperviseurs, c'est des trucs super blindés. Par contre, les 2-3 fois où il y a eu des failles trouvées dans des hyperviseurs qui permettaient de faire du saut mémoire d'une machine à l'autre, voilà, alerte rouge. Il n'est pas interdit qu'un jour on trouve ce genre de faille dans les cgroups sur les namespaces. Et ça posera problème. Donc l'approche de Microsoft, c'est de proposer un niveau d'isolation complémentaire qui ne remplace pas le conteneur de base. Hein. C'est-à-dire que par défaut, quand on fait un Docker run sous Windows, le noyau n'est pas dupliqué, on reprend juste les librairies qui sont complémentaires, il y a un mapping avec de la restriction sur les ressources à utiliser, mais tout est mis en commun. Et par contre, il y a ce mode-là, là, qu'ils appellent le mode d'isolation Hyper-V, où ils vont se servir... Bonjour. Où ils vont se servir de quelques techniques d'Hyper-V pour, en particulier, virtualiser les adaptateurs réseau ou proposer des systèmes d'étanchéité réseau un petit peu plus approfondis que ceux qu'il y a nativement. Donc en plus du bridge, overlay, etc., il y a des drivers réseau supplémentaires, les one-to-bridge, du NAT qui est un petit peu différent de celui qu'on a. Donc ça donne une certaine souplesse supplémentaire et un niveau intermédiaire de sécurité. Pour les gens qui diraient, voilà, je suis dans un environnement où vraiment je vais être sur des gens qui attaquent l'étanchéité, des environnements hostiles, et ben sans tomber carrément dans la machine virtuelle, je vais être capable de mettre une petite couche supplémentaire d'isolation qui sera gérée par un hyperviseur. Alors, si on regarde ça, on va prendre les deux dans l'ordre. Hein. Je vais vous faire voir un petit peu Windows 10, comment ça se passe. Je le fais pas voir en démo, parce qu'en fait, j'ai eu trop de problèmes avec les démos dans ma vie, et maintenant, j'aime bien les slides. Les slides, ça marche toujours. Un petit truc à savoir, alors, sous Windows 10, hein, ça s'installe comme n'importe quelle application Windows, c'est-à-dire que vous téléchargez un MSI, vous cliquez plein de fois sur Next, et puis à la fin, il vous demande de rebooter. Voilà. Plusieurs fois. Il faut du 64 bits. Par contre, oui, c'est pas lié à. Parce qu'en fait, si je me rappelle bien, les versions Enterprise sont sorties après. À un moment donné, il y avait juste la différence entre Windows 10 normal et puis Windows 10 Enterprise. Et ensuite, c'est quoi ? C'est l'année dernière où il y a eu une version Pro, où j'inverse entre Enterprise et Pro, mais il y a eu une troisième version. En fait, ça fonctionne sous tous les cas. La seule restriction, mais je ne sais plus d'ailleurs si Windows 10 il est encore fourni en 32, c'est que de toute façon il faut du 64. Et l'autre restriction, c'est qu'il vous faut Hyper-V activé. Et comme Hyper-V est en concurrence pour VTX avec VirtualBox, eh ben vous avez ce beau message quand vous installez en lui disant « Est-ce que vous voulez activer Hyper-V ? Pas de problème, votre ordinateur va redémarrer bien sûr. » Et puis une petite note, au fait, VirtualBox ne fonctionnera plus. C'est gentil. Bon, ben ça, c'est voilà. La technologie de virtualisation, c'est VTX, hein, c'est la virtualisation au niveau processeur. Et en fait, il n'y a qu'un hyperviseur qui peut prendre la main dessus aujourd'hui. On ne sait pas si c'est un truc qui sera un jour réglé ou pas. Mais ben voilà, donc si vous êtes comme moi, dans ce cas-là, ben vous avez un double boot. Quand vous voulez faire du VirtualBox, ben, vous décochez Hyper-V, vous rebootez, et puis vous faites du VirtualBox. Ou alors, vous passez vos machines sur Hyper-V. Voilà. Et j'en parlais, il y a un support double, là aussi pas simultané, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sur votre machine Windows lancer en même temps des conteneurs Windows et des conteneurs Linux, il faut choisir, et vous choisissez bah, en gros avec la petite baleine qui apparaît dans la barre des tâches, là, et vous avez un switch to conteneur Windows, switch to conteneur Linux, et dites-le avec moi, vous avez besoin de rebooter, oui. Voilà. C'est assez malheureux. Je pense qu'il y a plus de gens Linux ici, non ? Oui, ok. Je me sens un petit peu dans la même situation que, tu sais, quand on avait fait la conférence Java contre .NET. Quoi. Bon, t'es avantagé, ouais. Oui, j'avais juste le reste du monde contre moi, mais j'avais le meilleur produit, donc c'est vrai que j'étais avantagé. Ouais. D'ailleurs, on pourrait peut-être refaire ce genre de conf là, tu sais, maintenant qu'il y a Core.NET et que vous êtes empêtré avec les versions qu'Oracle abandonne et tout ça, là, mais ça serait peut-être gênant pour toi. Enfin, on en discutera après, c'est pas gênant. Alors, la différence derrière. Ben, ce qui apparaît, déjà, première chose, alors, bon, c'est des versions récentes. Il n'y a pas de retard, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que comme Microsoft s'est greffé sur le repository GitHub de Docker, quand il y a des nouvelles versions de Docker, elles sortent quasi immédiatement sur Windows. Quand la 17.3 est sortie, c'était, je crois, moins de 24 heures après
y avait le système qui était dispo sur Windows, la mise à jour. Ça, c'est pas mal. Comme je disais tout à l'heure, là, on est sous Windows 10, donc vous voyez, c'est une CE, Community Edition. Vous êtes bien sur un client qui est en architecture Windows, et puis ben là, par contre, le serveur, si vous êtes en mode Linux Container, c'est un Linux AMD64, la plateforme, et puis si vous êtes en mode Windows, vous avez vraiment le client et le démon qui sont sur du vrai Windows ce coup-ci. Même chose, hein, y a les mêmes possibilités de faire du expérimental, la diffusion sur le channel Stable ou Edge, enfin tout ça c'est exactement pareil. Je reviendrai à la fin sur, y a une slide où je vous ferai voir les différences ou les manques, vous verrez, il y a deux lignes. En gros, il y a vraiment tout quoi. Même le mode Swarm, c'est pas du Swarm à la noix comme Docker pré 1.12 hein, avec un truc à côté où il faut 4 heures d'un ops pour arriver à faire une install. Non, c'est le vrai Swarm comme depuis 1.13 là où Docker Swarm init, Docker Swarm join et hop, vous avez le tout qui fonctionne. Ça, c'est super. À l'utilisation, ben, c'est exactement comme d'hab. C'est-à-dire que vous faites un. J'ai pris juste celui-là comme exemple là, Docker run. Microsoft du coup publie sur Docker Hub pas mal d'images, des images de base avec du bon vieux 2IS, du SQL Server, les trucs je sais qui vous font horreur, mais nous on est super contents de les retrouver de ce côté-là. Il y a tout, vous avez du ASP.NET, vous avez des agents pour faire du Visual Studio, vous savez quand vous avez besoin de créer des agents pour TFS, pour qu'ils fassent du build, des tests automatisés dans le cloud, tout ça, il y a une image, donc c'est super. Là où avant il fallait acheter de l'IAS et puis ensuite télécharger un truc de 14 gigas à l'installer, ça prenait 3 heures, etc. Et ben là, vous prenez votre conteneur as a service, Docker run dans Azure d'un VSTS agent, et puis roule. 3 minutes après, vous avez votre agent de Visual Studio Team System, ça c'est sympa. Les images d'un serveur, d'ailleurs, font quelle taille hein. Toi, t'as vraiment cherché à m'embêter, toi. Hein. C'était juste 25 gigas. Non, non, alors, oui, bon, ça c'est assez catastrophique. Je vais y revenir, mais voilà. Parlons-en tout de suite du sujet qui fâche. Vous avez deux. Ouais, alors, il y a trop à dire là-dessus. Je vais y arriver à la slide. J'ai une slide là-dessus, ne t'inquiète pas, tu pourras me balancer les tomates. Je finis donc sur les. Alors, il y en a plein, j'ai juste fait un petit truc rapide. .NET. Alors, .NET, vous avez les deux, c'est-à-dire que sur une image. Complète et massive, on va dire, vous avez le vrai .NET à l'ancienne, mais qu'il ne faut plus utiliser, parce que maintenant, vous avez une alternative super légère et innovante, qui est Core.NET, qui est un .NET vraiment tout petit, stripped down, et qui se pose sur un nanoserveur, qui est une version réduite de Windows. Voilà, on va revenir à quel point elle est réduite. Vous avez plein de trucs aussi qui sont super sympas d'avoir dans des conteneurs, parce que sinon, ils vous pourrissent la machine quand vous les installez. La ligne de commande pour Azure, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs, quand vous les installez, vous êtes tout le temps dépendant d'une version qui n'est pas pareille, et quand Azure change, enfin, on est vraiment très content d'avoir ce truc-là dans une image qui est en plus tenue à jour par Microsoft et dont on a pu à s'occuper. Autre chose, vous avez aussi des images officielles type Mongo qui possèdent des tags Windows maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des images faites par Microsoft pour fonctionner sur du Windows. Vous commencez à avoir certains éditeurs qui poussent des images Windows, en Windows Server Core principalement, mais aussi certains qui commencent à faire les images en nano. On va revenir sur cette distinction après. Ils viennent d'ailleurs d'annoncer sur les images officielles qui supportent les multi-architectures maintenant. Oui, oui, oui. On pourra faire Docker Run Mongo, ça marche aussi bien sous Linux que sous Windows avec le même référent. Ça, c'est pas mal. Alors, sur Windows Server 2016, c'est donc un petit peu différent. C'est une install, là, les gens qui font du Linux, ils vont être contents. Les administrateurs qui aiment bien la ligne de commande, eh ben, il n'y a pas d'interface graphique. Voilà. Vous installez avec du PowerShell, vous faites un install module pour ajouter le fournisseur Docker de Microsoft, vous faites un install package d'un package qui s'appelle Docker, et vous redémarrez la machine. On est bien d'accord. Voilà. Et puis sinon, si vraiment vous n'avez pas envie de vous installer une machine, ou c'est vrai que Windows 2016, ça peut porter quelques petits gigas avec, il faut le reconnaître. Vous avez, moi je fais toujours comme ça maintenant, je fais une install cloud. Il y a des boutons, vous pouvez récupérer des boutons deploy to Azure. Quand vous êtes connecté avec votre site Live ID, un bouton, ça vous crée la machine avec des scripts qui sont paramétrables. C'est assez sympa. Et sinon, vous pouvez rechercher aussi sur Azure les images, c'est très simple, vous cherchez les images où il y a with container à la fin. Et en fait, c'est des images
de 2016, R2, data center, machin, où il y a les conteneurs qui sont activés. Ça, c'est pratique. Bon, il y a deux, trois petits paramétrages, mais assez habituels pour faire ça aussi. Par défaut, c'est uniquement les namepipes qui vont être utilisés en Windows. On ne passe pas par le 2375. Donc si vous voulez vous brancher depuis un 2375 externe avec un client, par exemple Linux ou des trucs comme ça, il faudra arrêter le service Docker, le déregistrer et le re-registrer en laissant les namepipes, hein, mais en rajoutant aussi l'ouverture du 2375 pour que votre démon y supporte l'accès par TCP. Et bien sûr, rajouter dans le pare-feu une ouverture pour le 2375, faire aussi la même chose si vous êtes sur Azure dans votre Network Security Group, dans votre pare-feu, enfin bref, organiser pour que le 2375 y soit accessible. Et une fois que vous avez fait ça, et ben vous n'avez pas à rebooter. Et ça marche. Ça fait bizarre, hein. Ça fait un choc. Et puis, oui, en général, quand on fait ça aussi, on en profite pour ouvrir le 2377 qui va servir pour faire du maillage de Swarm derrière. Le mode d'isolation additionnel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça, là, c'est moins isolation level est égal à Hyper-V. Donc là, la différence, c'est que... Alors, vous n'avez pas une reproduction, c'est pas une reproduction à nouveau hein, d'un OS Windows. Hein. On n'est pas en train de dire qu'ils cachent le fait qu'ils mettent une machine virtuelle. Ils utilisent certaines fonctionnalités d'Hyper-V pour réétanchéifier des morceaux de noyaux. Ils instancient certains morceaux du noyau en particulier. C'est un noyau modulaire dans Windows. Et puis, en particulier, tout ce qui est adaptateur virtuel, ils vont être gérés par Hyper-V. Et là, du coup, c'est intéressant parce qu'eux, ils se retrouvent avec toutes les notions de Software Defined Network, tout ce qui a été fait sur les adaptateurs virtuels Hyper-V, où il y a quand même du boulot derrière, et puis peut-être une petite dizaine d'années d'expérience, donc des trucs qui ont été bien étanchéifiés, débuggés, etc. C'était intéressant de récupérer ça. Et du coup, il y a d'autres types de drivers réseau qui apparaissent. Ça, je pourrais pas en dire tellement plus dessus, parce que je les ai pas testés. Alors, voilà. Jusqu'à maintenant, tout était beau, j'envoyais des fleurs, il y avait des licornes et tout. En fait, l'image de base de Microsoft Windows Server Core fait plusieurs gigas, on va dire ça juste comme ça. Bon allez, 4,7 aujourd'hui. Ça va, hein, un DVD. Il n'y a pas longtemps, elle faisait 10 à 12, je crois, et si ça a été... compressé, j'allais dire fortement, faut peut-être pas déconner non plus, mais ça a été compressé. Donc Windows Server Core, c'est quand même une version Windows Server réduite, si, vous n'avez pas d'interface graphique, par exemple. Et puis il y a quelques autres trucs qui ont été enlevés, alors des trucs qui vraiment ne servent pas, hein, genre les codecs multimédia ou des choses comme ça. Ça fait quand même, encore des gigas derrière. Des images comme SQL Server ou .NET Legacy, .NET l'ancien, j'allais dire le vrai. Non, maintenant, pour moi, le vrai, c'est plutôt Core.NET. Le vieux .NET, celui qui est en 4.6 ou 7 maintenant, ne fonctionne, c'est de là, que sur cette image Windows Server Core, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de trucs. Quand on prend, par exemple, tout ce qui avait été fait en ASP.NET, system.webdll, ça va chercher partout dans l'OS, ça remonte à la moitié de la planète quand on fait un appel d'API, donc là, il n'y a pas à tambouiller, il faut tout Windows Server. Bon, maintenant, ce truc-là... on le présente, hein, mais c'est appelé à mourir. Évidemment, quand on travaille sur du Docker, on n'utilise pas déjà du SQL Server à l'ancienne, on n'utilise pas du .NET Framework, on fait du Core.NET, on fait du Node, on fait des trucs beaucoup plus légers, on fait du Mongo, et puis tout ça, on le colle sur du Nano Server. Donc Nano Server, c'est la taille s'exprime en centaines de mégaoctets. C'est déjà mieux. Non, quelques centaines de mégaoctets. Ouais, avec 2 IS, 1,19 giga, voilà, avec 2 IS. Donc c'est un peu mieux. Alors là par contre, ils y sont allés costauds sur la réduction, alors qu'ils ont, je sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à faire, hein, que ça fait plusieurs centaines de mégas, parce qu'ils ont tout enlevé, même l'accès à distance, quoi. Donc vous lancez, vous faites un Docker run nano serveur, puis vous dites, bon, comment je prends le contrôle de ça? Non, vous prenez pas. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est supprimer l'image. Ouais. Mais oui, non, mais c'est ça, hein.
C'est des librairies historiques qui sont récupérées par compatibilité ascendante. Bon, après, plus les versions avancent, plus le nanoserveur réduit. Donc on peut avoir l'espoir un jour d'un nanoserveur très léger. Un espoir, par contre... Est-ce que ça sert quoi, 30 ans en revue de code. Non, je pense que l'approche qu'ils ont est pas plus mal, qui est de dire faut pas essayer de réduire ça, quoi. À un moment donné, faut repartir sur un truc qui est plus bas, et peut-être qu'après ils vont faire un femto serveur ou un truc comme ça, où ils vont enfin dire ok, avec l'expérience de nano serveur, enfin avec l'expérience de serveur core, ils ont fait nano serveur qui était plus petit. Donc on peut espérer qu'avec l'expérience de nano serveur, ils vont à terme arriver à des équivalents d'Alpine ou des trucs comme ça, quoi. Alpine, Mobi, etc., c'est pas venu tout de suite avec Docker, hein. Ça a mis, je sais pas, 3-4 ans après que Docker arrive vraiment à maturité sur le marché pour arriver. Et moi, je crois encore plus à d'autres choses. En particulier, quand vous faites du .NET Core, vous avez depuis peu un linker et la possibilité de faire la compilation native. Alors je ne sais pas si vous êtes tombé sur cet article-là, il y avait un article qui était super intéressant sur la possibilité de faire des images ultra réduites quand vous faites du Go, en utilisant la compilation de Go qui permet de récupérer toutes les librairies, et ensuite en enlevant de l'image tous les outils de développement. Donc vous récupérez un truc qui est l'équivalent de l'image Hello World. Vous savez, l'image Hello World, elle pèse tellement peu, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a juste un fichier assembleur dedans, quoi. Ils font un make de l'assembleur, il y a un truc qui est binaire ultra petit et qui est mis dedans, et elle pèse à peine 1 kilo-octet. Et ben, on peut faire ça avec du Go, en compilant le Go avec toutes les librairies embarquées et en faisant un exécutable natif système, et du coup l'image c'est quelques mégas au maximum. Et ben, avec .NET Core, on est en train de... Alors j'ai fait les tests là, j'ai commencé hier, j'ai pas encore réussi, mais on est en train d'avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compiler du .NET Core en natif, faire un linker qui va ramener dans l'exécutable la totalité des librairies qui sont nécessaires, et pas plus. Alors c'est ça la difficulté, c'est que aujourd'hui la difficulté de ce truc-là, c'est comment on gère la réflexion. Comment on gère les appels réflectifs dans .NET. Ils ne peuvent pas détecter avec MonoCécile qu'il y a un lien. Donc ils sont en train de rajouter des systèmes pour essayer de trouver quand est-ce qu'il y a de la réflexion, de le regarder à la runtime pour récupérer les librairies, mais on va avoir un système où il y a une version vraiment ultra réduite. Alors .NET Core permet ça déjà, parce que la livraison des DLL dans .NET Core, c'est basé sur Nugget. Donc déjà, c'est plus le système d'avant où on disait, il y a .NET quoi, bam, voilà les 200 mégas, oui, vous utilisez que System Drawing, c'est ballot, mais vous avez 200 mégas et puis c'est tout. Là, Microsoft a modularisé tout .NET Core, donc quand vous déployez une application, vous avez évidemment votre core .NET, l'exécuteur qui reste, mais par contre, toute la BCL qui était libre avec, la Base Class Library, c'est remplacée par des appels à Nugget, et vous téléchargez que ce qui est nécessaire à l'exécution. Donc ça, une fois qu'il y aura ça, c'est déjà en place, le linker, il est déjà en place, et ce qui manque, en fait, c'est le compilateur native est déjà en place, et ce qui manque, c'est le linker avec il faudrait qu'ils arrivent à faire un support de la réflectivité. Quand il y aura tout ça, on fera la même chose que je vous ai expliqué sur Go, c'est-à-dire des images Windows qui pèseront quelques mégas seulement. Et ça, c'est-à-dire pour les microservices, ça va quand même être un sacré pas en avant. Sur Nano Server, donc, contrairement à Windows Server Core où tout le vieux, le legacy, etc. a besoin de tout, sur Nano Server, vous retrouvez les trucs assez modernes, quoi. .NET Core, Node.js, 2IS. Ouais. Je sais pas ce qu'on fait, j'aime pas le foot, mais bon. 2IS, c'est marrant, hein. On aurait pu croire que 2IS c'était pareil, c'était du gros legacy monstrueux et que ça fonctionnerait que sur Windows Server Core. Il a été porté sur Nano Server en 2 mois. Donc ça, c'est cool. Finalement, ce truc-là était bien écrit. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu disais quoi sur les bières déjà tout à l'heure? Ah non, pas à la télé. Et puis un dernier point, du coup, Nano Server peut aussi utiliser comme hôte de Docker. Donc il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Ils mettent du Nano Server sur des Raspberry, et puis ensuite ils mettent une surcouche de Docker pour faire des swarms entre les Raspberry avec du Nano. Bon, il y a vraiment des gens qui ont rien à foutre le soir. Hein.
C'est ça qui les intéresse. Alors, les spécificités, parce qu'il y a quand même des petits trucs qui sont un poil différents, mais comme promis, il n'y en a pas des masses. Évidemment, bah, le bon vieux truc habituel, c'est pas les mêmes noms de répertoire. C'est des anti-slash au lieu d'être des slash. Donc, bah, vous changez, et puis quand vous faites un work dir dans votre Dockerfile, c'est ces deux points, backslash, bien sûr. Et vous dédoublez le backslash, parce que comme c'est l'opérateur d'escape, bah, faut le dédoubler, sinon ça ne marchera pas. Vous pouvez aussi, alors même chose dans volume, et par contre, ce qu'on voit souvent hein, dans Windows, c'est préfixer avec escape, comme ça vous changez le caractère d'échappement, et ça vous permet d'avoir un truc qui est un petit peu plus lisible. Ça serait bien si tout fonctionnait pareil, mais add et copy, eux, ils fonctionnent avec des slash. Mais quand même avec ces deux points. Par contre, dans cela, quand il y a des slash, vous pouvez abandonner le ces deux points. Vous pouvez mettre juste slash et il va comprendre que vous êtes sur l'unité courante. Je sais, c'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Un autre petit changement, je vous disais en fait, hein, il n'y en a que deux. Hein. Il y a celui-là qui est sur les caractères. Et le deuxième changement, c'est ça, c'est que dans Windows, vous avez deux shells maintenant. Il y a le shell historique qui est commande.exe, et vous avez un shell qui est de plus en plus imposé comme étant le shell standard qui est PowerShell. Donc, bah, ou vous faites du CMD PowerShell et vous tapez votre commande après, ou alors si vous savez que vous allez faire que des commandes PowerShell, vous mettez un shell PowerShell au début de votre script, et puis ensuite vous faites que de l'exécution de commandes. C'est plus simple. Et quand vous êtes dans Docker pour Windows, bah vous avez à nouveau une interface graphique. Donc là, c'est ce qui va vous permettre d'ajuster les ressources pour Docker. Voilà où vous mettez le fameux mobile Linux pour votre machine virtuelle qui va servir à démarrer des conteneurs Linux, etc., etc. Vous pouvez limiter la mémoire, le CPU. Il y a aussi des petits trucs. Vous pouvez paramétrer les disques durs qui vont servir pour les volumes. Parce que si vous lancez des conteneurs de Linux, ils vont pointer potentiellement sur un file system pour les volumes, mais ce file system, il faut le faire pointer sur un endroit sur lequel vous donnez les droits dans Windows. Ouais, c'est bon. Je veux tout le monde qui me regarde avec les yeux. Oui, il y a plein de sauts, mais voilà. Non, 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 étonnamment pas. Pas quand on change ces options là. Peut-être que si pour peut-être que si pour les volumes. Oui. Et déclarer un volume sur un file mount écrit en Linux, mais qui correspond par mapping à un répertoire Windows local. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il faut peut-être pas le secouer trop fort, hein, le machin. Hein. Ouais. Ouais. Bon, après, sur tous ces trucs-là, de toute façon, maintenant, enfin, vaut mieux faire en prod, on fait plutôt des volumes conteneurs ou des trucs comme ça, quoi. Ou pointer sur une baie SAN avec du NFS, et comme ça, tout le monde est tranquille. Les fonctionnalités non supportées. La première, c'est le routing mesh dans Swarm. Vous savez, le truc qui fait que quand on expose un port, il va automatiquement réexposer ce port sur toutes les machines du Swarm, et c'est Swarm qui va s'occuper de rediriger sur celle qui contient le conteneur effectif. Y compris avec du load balancing, s'il y a plusieurs conteneurs qui ont été scalés pour exposer le même port. Ça, le routing mesh, au jour de quand j'ai écrit le bouquin, ça y était pas en Windows. Et ça manquait. Si ça se trouve, ça y est aujourd'hui. J'avoue que j'ai pris l'été pour me reposer, donc je sais pas. C'est horrible. Et l'autre truc qui marche pas, et alors ça, je sais pas si un jour ça va marcher, parce que vu ce qu'on disait sur les OS, c'est pas évident, c'est le from scratch. C'est-à-dire pour créer une image from scratch en disant cette image j'ai rien dedans, c'est-à-dire je pars de zéro, je vais juste créer de la surcouche au-dessus de mon OS. Typiquement le Hello World, il est comme ça quoi. Hello World, l'image ne contient que un exécutable natif Linux sans lien à des librairies. Donc lui il a absolument besoin de rien quoi. Il se base pas sur une CentOS, il se base même pas sur une Alpine, il se base sur rien. Il va prendre l'OS qui est en dessous, quel qu'il soit. Et comme c'est quoi le format standard là des exécutables en ELF, voilà, merci. Comme c'est du ELF, eh ben de fait, ça fonctionnera sur tout Linux. Noyau, en fait, voilà, ouais, c'est de l'exécutable natif et donc sans librairie, sans dynamic linking ou trucs comme ça, donc ça marche.
Donc c'est ça le from scratch. Hein. C'est quand vous mettez un from scratch en haut de votre Dockerfile, c'est pour dire je me base sur pas d'image de base. Ça, en Windows, ça n'existe pas. A priori, rien n'empêche, mais vu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état des images de base, il y a peut-être quand même beaucoup de travail avant que ça arrive. J'espère avant qu'on soit à la retraite. Et puis sinon, bah, comme je disais, tout est là. Hein. Les quotas, ça fonctionne. Le mode Swarm, ça fonctionne. Les réseaux overlay, quand vous faites du Swarm, il y a bien un overlay qui est créé pour vous pour le Swarm. Et quand vous faites un déploiement d'un bundle sous forme de stack, ça recrée un overlay par-dessus, spécialisé pour étanchéifier votre stack par rapport aux autres instances de stack. Bref, il y a tout. Voilà, voilà. Un dernier petit truc... qui n'est pas vraiment en fait dans Docker pour Windows, mais c'est juste parce que Docker pour Windows, on a vite fait d'extrapoler à Docker et Microsoft. Vous avez un service sur Azure qui s'appelle Container as a Service, où bah, en gros, hein, vous tapez Azure Container Service dans la recherche, et puis il vous fait une petite interface sympa où vous rentrez le type d'orchestrateur que vous voulez, Swarm, DCOS, Kubernetes supporté pour l'instant. Vous dites le nombre de managers que vous voulez, vous dites le nombre d'agents que vous voulez, vous donnez, ben, comme d'hab, hein, votre clé SSH, truc comme ça, et puis roule. Derrière, vous choisissez les machines. Alors, pour rire, j'étais à deux doigts de cliquer l'autre fois sur un petit cluster au Swarm où il y aurait eu 7 managers et 100 agents, le tout avec des machines de type GS5. Alors, GS5, c'est 32 virtual CPU, 448 Go de RAM, 64 disques durs de 80 000 IOPS chacune. Le total ferait un Swarm qui coûte 626 788 euros par mois. Bon. J'ai un compte comme je suis MVP Azure, il me file un compte où vraiment c'est bien crédité large, mais je pense que je l'aurais bouffé en un quart d'heure. Quoi. Donc, faut vraiment ce genre de truc là, c'est si vous avez, en gros vous voulez trouver une enzyme qui guérit le cancer à vous tout seul, vous préparez votre code, vous le lancez et puis vous éteignez aussitôt, et vous le faites dans le batch parce que le seul fait je pense de le faire à la main, vous avez perdu 3000 euros. Quoi. Mais c'est assez drôle. Bon, je ne l'ai pas lancé. Et puis un autre truc que vous pouvez faire aussi en Windows, en Azure, pardon, qui est assez sympa, c'est la techno qui s'appelle Azure Container Registry et qui vous permet, bah, même chose, en renseignant juste 2-3 trucs, hein, votre préfixe DNS, un utilisateur administrateur et puis des mots de passe auto-générés, de créer un registre Windows, un registre d'images, donc d'images et Linux et Windows, hein, c'est bien un registre hybride qui prend les deux trucs. De toute façon, il y a le support du multi-architecture, donc il est capable de gérer ça correctement pour vous. Et bah, moi, je trouvais ça particulièrement intéressant, parce que quand j'ai écrit le premier bouquin sur Docker il y a 2 ans, il y avait un chapitre, il était comme ça, juste sur comment faire un vrai registre, quoi. Parce qu'on pouvait juste lancer Docker Registry, ouais, c'est sympa, mais il n'y avait pas de sécu, il n'y avait pas de SSL, il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas de machin. Hein, donc, pour faire un vrai registre, j'en avais bavé comme un russe, quoi. Et bah là, maintenant, 3-4 clics, et il y a un registre, il y a la sécurité, il y a même les logs, on peut savoir qui accédait à quoi, on peut mettre des systèmes d'IAM, il y a des ACL, enfin, c'est génial, quoi. Voilà, bah on arrive en gros à la fin. J'ai fait moins qu'une heure. Et j'espère que... j'espère que ça vous n'avez pas de questions, en fait. Si, je rigole. Puis de toute façon, je sais que Nico, évidemment, va avoir quelques questions. Oui. Bien sûr. La parole... Ouais, c'est bien. Oui. J'ai une question par rapport au côté hybride. Est-ce que si j'imagine, j'ai un Swarm, ce que j'ai compris, c'est que je peux avoir des nœuds sous Windows et des nœuds sous Linux. Oui. Est-ce que je peux lancer une stack qui va avoir des conteneurs sous Linux? Ben ouais, à condition qu'il soit tagué. C'est-à-dire qu'on utilise, que chaque image soit bien taguée en disant ça c'est une image Windows, ça c'est une image, etc. Et du coup, qu'on mette les contraintes en disant les images de type Windows doivent être déployées sur un démon de type Windows. Et du coup, quand on lance les démons, en fait c'est dans le Dockerd, faut juste mettre Dockerd --label, OS est égal à Windows par exemple. Et du coup, derrière, il va faire... Oui. Ah ouais, ça marche bien. Bon, on ouvre les ports 2377 des deux côtés et puis roule. J'ai une question sur les lignes. Le fonctionnement il est pareil sur Windows et sur Linux.
Au niveau file system, avec un équivalent d'AUFS ou un truc comme ça? Non, je crois pas. Je pense pas qu'il y ait, aujourd'hui, il n'y a pas de file system incrémental sous Windows. Donc on est en gros exactement comme dans Docker quand on n'est pas en AUFS, quoi. Il fait les images et il n'est pas sur un file system incrémental. C'est le démon Docker lui-même qui gère l'incrément. Ouais. Donc ça, on peut imaginer que ça sortira un jour aussi. Hein. Question? Le truc, c'est que je ne peux pas l'installer en ligne de commande. Oui. J'aurais besoin à un moment d'avoir le senti qu'on a pas d'installation sur l'écran, que ce soit en RDP, que ce soit. Je ne sais pas s'il y a une solution qui permet à un moment de passer outre la ligne de commande. Alors, par rapport. Il y a deux questions là. Il y a la GUI et outrepasser la ligne de commande pour l'install. Outrepasser la ligne de commande pour l'install, tout simplement faire une image avec un commit à la fin, quoi. Vous modifiez, vous lancez votre image, vous faites vos modifs à la main dans le file system, vous faites votre bazar, votre installation manuelle, et puis à la fin un commit, et puis c'est ça qui est votre image, qui devient votre image de référence, quoi. Ouais. Alors, je sais pas comment ça se passerait, c'est-à-dire si on lance un processus, de toute façon le processus il est isolé par l'OS. Mais il est quand même, c'est quand même l'OS qui le fait tourner. Je ne sais pas comment ça se passe par rapport à la capacité de prendre le graphique. Sous Linux, en fait, c'est quoi? C'est export. Qu'est-ce qu'on fait déjà sous export? Export display X11. Sous Windows, à ma connaissance, il n'y a pas ce genre de truc-là. Donc tout ce qui va être envoyé à WinGDI ou un truc comme ça va s'afficher. Hein. Donc je ne pense pas qu'ils le mettent à la trappe. Hein. À mon avis, il n'y a pas un truc qui redirige vers slash dev slash nul. S'il y a de la GUI. Donc, je dirais ça. Ouais. Non, mais c'est ça qui me vient à l'esprit parce que j'ai vu un client en début de semaine, on est en début de projet, puis il m'a annoncé tout go comme ça qu'en fait, de toute façon, chez eux, les logs métiers, ils étaient redirigés vers slash dev slash nul. Super. Bon, bah, ça valait le coup qu'on fasse tout un système de business activity monitoring, puisque. Hop là. Et les métiers, ils remontent jamais de problème? Bah non. Pas de log, pas de problème. Voilà. Donc moi je testerai ça. Et il n'y a pas d'affichage. Ouais, il n'y a pas de retour. Ouais. Alors ouais, je saurais pas en dire plus là-dessus. Ouais. Mais c'est un truc marrant à tester. Ouais. Oui. On m'a demandé, vous n'avez pas une version en ligne de commande, et le mec m'a répondu de toute manière, le fichier résultant, c'est un fichier texte qu'on ne vérifie pas. D'accord. Bon, je vais vous envoyer un fichier texte. D'autres choses? Non? Eh bien, dans ce cas-là, je vous remercie. Ah.